les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy in Fancy. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo revue, first impression, sur des nouveaux produits que j'ai testés la semaine dernière du coup. Et là, j'ai encore mon Wash & Go dans les cheveux. Du coup, je me suis mis quelques petites fleurs pour coller un petit peu au thème et pour le soleil. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. Du coup, je suis retournée dans mon petit côté mal à l'aise. Mais bon, on va essayer de faire ça court, de faire ça concis, que vous ayez le maximum d'éléments par rapport à ces deux produits que j'ai testés. Peut-être que ça vous donnera envie d'essayer, peut-être que vous les avez déjà testés, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai déjà eu quelques retours sur Instagram assez positifs du coup par rapport à cette marque, à cette gamme et à ces produits. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Du coup, j'ai testé deux produits de la même marque. Ce sont des produits de la marque Miss Mix Chix. Je ne sais pas si je prononce correctement, je vous mettrai le nom quelque part par là. Et en fait, je pense que toutes les personnes qui ont les cheveux naturels, les cheveux bouclés, crépus, les personnes qui sont revenues au naturel entre guillemets, connaissent cette marque. C'est une marque qui existe, je crois, depuis une éternité, j'ai l'impression. Fait partie des marques références entre guillemets pour les cheveux bouclés, crépus et tout, mais c'est vrai que je ne m'y étais pas plus attardée que ça. Je sais pas, c'est un petit peu le packaging qui me donnait pas plus envie que ça, et je sais pas, il y a un truc qui faisait que je ne m'y étais pas du tout attardée. Et là, je suis allée à la boutique Colorful Black sur Paris à Métro Sentier. Et elle y était et je me suis dit, bon, bah alors, allons-y, hein, pourquoi pas tester. Surtout qu'eux, ils ont quand même une grande gamme. Ils ont vraiment toute une grande partie des produits à la boutique Colorful Black ou Color Black Full, je sais jamais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah autant tester. Du coup, j'ai testé en premier lieu le Living, qui se présente comme ceci. Donc voilà, en fait, moi je suis très packaging, donc c'est vrai que niveau marketing, les marques en général, elles savent comment m'amadouer, mais c'est vrai que voilà, j'étais pas plus attirée. Pourtant j'adore le jaune, mais j'étais pas plus attirée déjà par le packaging, donc ça n'a pas changé, je suis pas plus fan que ça du packaging. Après c'est vrai que niveau pratique, je trouve que c'est plutôt pratique que ce soit comme ça. Ça prend pas beaucoup de place. Vous avez aussi le grand format. Et du coup, là, j'ai pas encore fini. Mais si je vous dis que du coup, je pense m'acheter le grand format, c'est que c'est très, très positif. Parce que tout simplement, je l'ai essayé. J'avais pas démêlé mes cheveux, je crois, depuis 2 semaines. Donc, j'ai quand même essayé dans des conditions plutôt extrêmes. Et du coup, j'ai adoré, ça démêle hyper bien mes cheveux, ça forme même les boucles. Donc je pense que je vais, comme je dois relaver mes cheveux aujourd'hui ou demain, je vais réessayer mais en utilisant que celui-ci, sans l'accorder avec le deuxième produit que je vais montrer tout à l'heure. Mais je pense que ça peut être aussi un bon one and done, donc un bon juste un produit pour hydrater mes cheveux et les boucler. Je trouvais que ça bouclait hyper bien mes cheveux. Ça les a débellés hyper bien. La texture, elle est assez légère. C'est pas quelque chose de très épais. C'est entre le, c'est entre les deux, entre une texture mi-épaisse, mi-légère, un petit peu liquide, mais pas trop non plus. Je trouve qu'elles s'imprègnent facilement dans le cheveu. En plus, quand vos cheveux sont bien démêlés, ça se travaille encore mieux que lorsque c'est pas démêlé. Mais voilà. Et l'odeur n'est pas entêtante particulièrement. Par contre, pour que ça soit plus efficace, il vaut mieux le faire sous la douche. C'est un peu, je vous avais parlé d'un produit dernièrement qu'il fallait absolument faire sous la douche, mais je ne me rappelle pas lequel. Et voilà, vaut mieux le travailler sous la douche. Si vous sortez de votre douche et que vous commencez à manipuler vos cheveux pour les démêler et tout, ça sera un peu plus compliqué, je trouve. Alors que quand vos cheveux sont vraiment, vraiment très mouillés, sous la douche de préférence, en plus si vous avez pris une douche chaude et tout, donc ça va vous permettre de vraiment ouvrir votre tige capillaire. Je ne suis pas très douée dans les noms. Du coup c'est vraiment vraiment très très bien. Moi j'ai vraiment adoré, et concrètement je pense que ça veut, c'est en train de devenir l'un de mes go-to. Après, comme j'ai dit, pour tout vous dire, j'ai fait une utilisation vraiment en tant que living et j'ai ensuite mis le produit que je vais vous montrer tout à l'heure là. Et en fait,
pour ceux qui me connaissent déjà par rapport à ma chaîne et qui m'ont déjà entendu parler de ma routine, généralement je lave mes cheveux le vendredi soir ou le samedi. Et du coup, je mets mes produits de styling et tout. Et en fait, je ne réhydrate pas mes cheveux. Donc, quand je dis réhydrater mes cheveux, c'est-à-dire que dans la semaine, je ne vais pas remettre de la crème, faire des nattes ou des twists, aller dormir, ce genre de truc, ou réhydrater mes cheveux le matin. Le matin, je prends juste mon spray pour... mais légèrement, juste pour humidifier vite fait, mais c'est très léger l'humidification de mes cheveux. C'est juste pour pouvoir les retravailler, les shaker. Et si je dois faire un puff, faire mon puff plus facilement sans que mes cheveux restent coincés dans mes doigts ou autre. Et là, en fait, je me suis dit, bon, allez. Je trouvais que mon wash and go avait hyper bien tenu. Donc du coup, je l'ai fait samedi. Du coup, vendredi, ce vendredi-là, qui est passé, donc ça faisait déjà 5 jours de wash and go, j'ai humidifié mes cheveux par section, j'ai fait 4 grosses sections, j'ai humidifié mes cheveux et j'ai remis ça plus ma crème et c'était vraiment génial, sauf que alors mes cheveux étaient encore mieux dans le sens où visuellement parlant, j'avais déjà mes boucles étaient bien restées, mais là mes boucles elles se sont bien redéfinies et tout, mais le hic que j'ai constaté après, c'est que en fait mon copain m'a fait la remarque que j'avais du sable dans les cheveux. Et du coup, quand je secouais mes cheveux, j'avais vraiment ce truc comme si j'avais du sable qui tombait sur moi. Donc en fait, je pense que ce n'est pas, en tout cas pour ma texture de cheveux, pour mon cas à moi, réhydrater ses cheveux, remettre un peu d'hydratation avec ça pour restyliser ses cheveux, c'est pas le bon truc. Ça fait couche sur couche sur couche, ça fait amas de graisse sur amas de graisse, du coup vos cheveux n'absorbent pas, donc en gros ça sert à rien. Donc je vais continuer à l'utiliser comme je fais d'habitude dans mes routines habituelles, donc ça sera juste quand je vais faire mon shampoing, styliser mes cheveux après mon shampoing, et ça s'arrête là. Parce que concrètement, je l'ai fait vendredi, mais franchement, j'aurais pu sortir avec mon afro comme ça sans souci. Mes cheveux étaient nickel, j'avais des boucles hyper bien définies. C'était vraiment canon. Du coup, pour le living, c'est un gros gros coup de cœur. Franchement, je regrette de ne pas être tombée dessus plus tôt en fait. Et pour les prix, je ne sais pas trop, je vous remettrai ça quelque part par là pour le prix. Je retrouverai, soit ça sera en barre d'infos, soit je vous le mettrai là. Et du coup, pour le deuxième produit que j'ai testé, c'est celui-ci, qui s'appelle le Curl King & Curl Styling Cream. Donc on dit que c'est pour... c'est une formule riche qui enrichit en 6 huiles qui permet de retenir l'hydratation, d'aider à la pousse du cheveu. Ça permet d'avoir de la définition pour les wash and go, pour même pour les twists ou quand vous faites des finger curls. Donc ça revitalise, ça retient l'hydratation, ça favorise la croissance. Du coup, c'est une texture que j'aime beaucoup. En fait, je préfère le pot de ça, peut-être parce qu'il y a un peu plus de couleurs. Il y a du kaki, il y a du marron façon de l'oranger et tout ça. Bon, moi je suis assez compliquée hein. Concrètement, j'aime bien le packaging dans le sens où c'est pas en verre, c'est en plastique, donc moi j'ai tendance à toujours tout faire tomber. C'est pas très lourd non plus et ça se présente comme ça. C'est vraiment une crème assez épaisse, je dirais. Elle est ni épaisse ni pas vraiment en fait. On a l'impression que ça fait genre bloc de ciment, mais quand vous l'avez sur les doigts, c'est hyper agréable. Vous n'avez pas une sensation de... que c'est pas... En fait, quand vous l'appliquez sur les doigts et que vous chauffez par exemple, ça ne va pas vous coller, ça ne laisse pas de sensation désagréable de graisse sur les cheveux. Et quand vous appliquez ça par-dessus sur votre cheveu, le truc vous définit les boucles, mais je kiffe. Petite astuce, j'ai pu constater, alors parce qu'en fait quand moi j'applique mes produits, que ce soit mon gel ou ma crème d'hydratation, je fais la méthode du, ils appellent ça du bracling. Vous savez quand vous prenez vos doigts et que vous diffusez le produit comme ça, en passant comme ça sur les cheveux, donc en fait c'est comme si vos doigts vous servaient de peigne et que vous diffusez bien le produit comme ça. Donc moi en général je fais ça. Sauf que là, j'ai constaté que pour que le produit pénètre mieux et soit plus efficace, je mets le produit sur mes mains, je chauffe comme ça et en fait, ma mèche que j'aurais pris, je passe le produit comme ça d'abord. Le produit doit d'abord passer comme ça pour que ça se diffuse bien
Et une fois que le, vos cheveux l'ont bien incorporé comme ça, vous pouvez faire la méthode du racle. Du doigt de je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle, désolée. Mais voilà, vous pouvez faire cette méthode-là. Mais parce qu'en fait, j'ai fait les deux. J'ai d'abord commencé comme je faisais d'habitude. Je mets juste le produit sur mes doigts. Ensuite, je fais ça. Et j'avais l'impression que en fait mon cheveu ne prenait pas le produit, que ça ne faisait rien en fait. Et du coup, quand j'ai changé de méthode et que j'ai d'abord bien lissé ma longueur de cheveux avec le produit comme ça, ensuite je faisais la méthode du racking, là j'avais une meilleure diffusion du produit et du coup j'avais des boucles vraiment beaucoup plus définies. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand vos cheveux vont sécher, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater, quand mes cheveux sèchent, il y a cette rigidité. En fait, vous avez une rigidité qui va se faire que vous séchiez à l'air libre ou que vous séchiez au sèche-cheveux. Vous allez avoir ce genre de truc sec au début où vous dites « Ah oui, du coup, finalement, mes cheveux sont secs. » Mais en fait, c'est quelque chose que vous pouvez casser facilement, soit avec une huile ou soit avec tout simplement vos doigts. En froissant vos cheveux, la rigidité se perd, entre guillemets. Là où j'ai peut-être un petit bémol, c'est que moi du coup j'avais pas d'huile en fait pour sceller mon hydratation. Donc j'ai trouvé qu'au bout de 3 jours, je commençais vraiment à avoir les cheveux qui devenaient très 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 secs. Mais c'est de ma faute en fait. Donc du coup là pour réessayer avec le produit, il faudra vraiment que j'essaye avec une huile pour sceller, pour voir la différence. Mais sinon vous avez... En tout cas, le résultat final, ça vous donne vraiment des cheveux très très bien définis, des boucles définies, pas beaucoup de frisottis. Moi, mes cheveux ont tendance à avoir beaucoup de frisottis. Voilà, c'est comme ça. Ça ne me gêne pas plus que ça parce que du coup, c'est un entre-deux dans le sens où si mes cheveux restent très plats, j'ai pas de frisottis. Par contre, une fois que mes cheveux sont dans leur stade où ils commencent à gonfler, bah là, j'ai beaucoup plus de frisottis. Et moi, comme j'aime bien quand mes cheveux sont hyper gonflés, bah, je m'en fous. Après, c'est vraiment un mélange de frisottis et de boucles vraiment très, très bien faites. Donc, du coup, ça ne me pose aucun problème. Mais je sais que certaines personnes aiment vraiment avoir des boucles bien, bien définies, sans frisoter et tout. Donc, peut-être qu'il faut faire attention à ça. Mais l'association des deux est vraiment, vraiment très, très bien. Je regrette pas du tout d'avoir acheté les produits. Comme je vous ai dit, je vous mettrai quelque part soit en barre d'infos, soit là le prix des produits et l'adresse où je l'ai acheté. Qu'est-ce que je peux dire donc? Niveau composition, je dois avouer que, vous savez déjà, je m'y connais pas plus que ça. Je pense pas que ça soit une gamme très... light niveau compo, on va pas se voiler la face. Le premier ingrédient c'est l'eau, ensuite vous avez de la glycérine, je pense que c'est ce qui aide vraiment à démêler les cheveux. Vous avez de l'acétyl alcool, de l'amodiméthicone. Bah, en gros, le problème c'est que les premiers ingrédients c'est pas genre de l'huile, c'est pas des. Voilà, c'est. Je sais que ça peut gêner certaines personnes. Donc, niveau composition, ceux qui sont vraiment voilà, faut pas vous arrêter sur cette gamme parce que vous allez pas vous y retrouver à l'instant. C'est qu'un premier test. En tout cas, moi j'ai vu ce que ça a fait sur mes cheveux et mes cheveux ont l'air énormément d'apprécier. Donc, après, à voir sur le long terme, mais pour l'instant, c'est vraiment génial. Donc, bon point pour cette gamme. Je pense que j'essaierai les autres produits de cette gamme. Je vais les commander pour voir vraiment ce que ça fait, pour essayer plusieurs trucs, plusieurs tests. Et je vais essayer de me faire des flexi rods avec ce produit parce que ça a l'air pas mal. La texture a l'air pas mal pour bien définir les boucles et la façon dont ça sèche. Je pense que ça me permettra d'avoir vraiment des boucles assez rigides que je pourrai ensuite après bien travailler. Du coup, désolée, ma batterie elle a coupé, donc je disais, pour récapituler, j'ai testé les deux produits, donc le Leave-In Conditioner de chez NYX Chic et le Styling Queen de chez NYX Chic qui est spécialement conçu pour les cheveux épais apparemment. Et donc du coup, je donne à chacun des produits une note. Donc celui-ci, je lui donnerai un 8.
8, j'aurais pu donner plus, mais c'est vrai que ça aurait été mieux si la composition elle était un petit peu plus clean, j'avoue. Et celui-ci, je lui donne la note de 7,5 parce que je pense que, vu qu'ils mettent en avant le fait que c'est censé retenir l'hydratation, je suis pas sûre encore que ça retient tout à fait l'hydratation comme ils le mettent en avant sur le produit. Donc, du coup, ça sera en testant un peu plus. De toute façon, je fais mon shampoing aujourd'hui ou demain. Donc, du coup, je vous rajouterai l'information en barre d'infos. Pour mon deuxième essai, ou sinon, en fait, je vous en parlerai d'ici la fin du mois, peut-être sur mon Instagram que je vous mets quelque part par là. Donc, du coup, j'ai dit 8 et 7,5 pour celui-ci. Par contre, petit plus pour celui-ci, j'ai fait mon puff dans la semaine et du coup, comme j'avais pas envie d'utiliser de gel, j'ai juste mouillé mes bordures et j'ai appliqué ça avec les mains en lissant avec les mains. Et c'est génial. D'une, ça vous les lisse, donc là vous pouvez voir comment c'est. Et en même temps, si vous avez des petits cheveux ici, ça vous les boucle. C'est juste canon. Donc voilà. Donc si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser un gel, ça peut être une très très bonne alternative. Je trouve que ça lisse énormément bien les bordures. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir en vidéo. Je suis censée faire pas mal de vidéos ces temps-ci, mais je dois avouer que j'ai pas beaucoup de temps. Donc désolée. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que ça vous plaira et que le contenu sera adapté à vos attentes. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!